Salut les amis, c'est Frawolf et bienvenue. Ah bah non, pas bienvenue du tout sur Internet Café Simulator 2 parce que il y a une mise à jour et ils ont beau s'excuser hein, les développeurs, mais en fait les anciennes parties sont totalement perdues. Voilà. Donc toute ma série, je devais faire le dernier épisode aujourd'hui et en fait comme j'ai beaucoup de chance, la mise à jour se fait le même jour où je voulais faire le dernier épisode de la série. Et donc, plus de possibilités de sauvegarder. Alors là, on voit le chargé qui est possible, mais parce que j'ai fait un petit test 3 secondes pour voir, je suis très naïf et plein d'espoir, voir s'il y avait possibilité de continuer. Ça n'est pas le cas du tout. Je suis vraiment obligé de recommencer un nouveau jeu. Bon, le nom, on s'en fout, hein. Voilà, il va me démarrer une nouvelle partie. Je voulais quand même faire une petite vidéo très rapide, déjà pour vous présenter mes excuses du fait que je ne puisse pas finir la série, même s'il restait que un voire deux épisodes à tourner. J'y suis pour rien, c'est un peu un bug, enfin c'est pas un bug, mais c'est une volonté de développeur d'avoir fait une mise à jour. Et techniquement, ils sont pas cassés la tête pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse recharger. Alors vous avez vu la subrepticement. Il y a une notion maintenant de fatigue, de faim. Voilà, hop, on le voit maintenant. Il y a une notion de fatigue, de faim et d'énergie qui sont là, qui n'étaient pas auparavant. Vous l'avez certainement remarqué. Il y a une dame qui est là et il y a un frigo qui est là. Voilà, donc ça fait partie des nouveautés. Alors je vais vous présenter en même temps pour ceux qui voudraient faire le jeu, on ne sait jamais. Et donc elle s'appelle Wife, hein, comme ça au moins on est tranquille. Alors qu'est-ce qu'elle veut, ma Wife? On va lui parler. Bonjour, jeune demoiselle. Ah ben non, c'est ma femme, je la connais. Alors, elle a un moral à 25%. Ça commence bien. Qu'est-ce qu'elle a? Elle n'a pas d'argent. Faire enfant, envoyer au travail. Alors, faire enfant. Elle ne veut pas faire ça parce qu'elle est de mauvaise humeur. Bon. Non, allez, je vais pas faire de commentaires là-dessus. Envoyer le travail. Il faut l'envoyer au travail ou... Elle ne veut pas travailler parce qu'elle est de mauvaise humeur. Bon, elle veut pas faire d'enfant, elle veut pas travailler. Ben, elle nous sert à rien alors. Qu'est-ce que c'est que cette épouse? Alors... morale, 25%. Ah, je peux acheter. On peut améliorer la maison. Tac, on va activer. Voilà. Bon, ça n'a pas changé son moral. Elle veut toujours pas faire d'enfant? Non, elle veut pas faire d'enfant. Prendre l'argent, je peux pas lui... Alors, je peux lui piquer de l'argent. En fait, je peux l'envoyer au travail, qu'elle gagne de l'argent et lui piquer. Ça, c'est pas mal. Je ferai pas de commentaires non plus. Voilà, bon, on a changé un petit peu le... Ouais. Je me demande même si je préférais pas avant. Mais bon, c'est comme ça. Le narguilé, on peut toujours en fumer un peu ou pas? Ok, et puis tiens, voilà, prends-toi ça, t'as pas voulu faire d'enfant, c'est pour toi. Porte de réfrigérateur, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce frigo? On peut mettre des aliments. Ouais, fantastique. Oh! Oh, il est plein mon frigo. Oh, ça tombe bien. Le frigo est plein. Ça tombe bien, j'ai une petite faim. Petite faim faim. Et. Non, je peux foutre des coups de poing dedans. Mais on ne peut pas bouffer. Là, je referme la porte du frigo. Bon, je vous passe, je vais pas le faire 10 ans parce que j'ai déjà essayé tout à l'heure. Ok. Donc là, on peut rien faire. Et donc, on va voir. On va faire venir l'ascenseur quand même. On va voir quelles sont les différentes améliorations qu'il peut y avoir eu dans le jeu. J'étais parti pour vous faire un épisode de fin. Hein, donc, je vais le faire. Je vais le faire. Et il sera très très court. Mais je vais le faire. Pas de la façon dont je le souhaitais, mais au moins, ça me permet de vous présenter les quelques nouveautés. Pour ceux que ça intéresserait. Et donc, ceux qui veulent ce jeu pour se détendre. Bah, dépêchez-vous d'y jouer au cas où il fasse une nouvelle nouveauté. Ah, il y a un clochard qui n'existait pas avant. Il est beau celui-là. Parce que s'ils font une autre nouveauté et voilà, et que vous avez, ça, on garde les habitudes, hein, et que vous n'avez pas eu le temps de finir, bah, vous perdrez peut-être vous aussi votre sauvegarde. Alors, tiens, on va se balader un petit peu. Là, bah ouais, il n'y a rien. On ne s'est pas beaucoup baladé en fait, hein, les autres fois. Donc là, j'ai toujours le même commerce ici. Là, il y a toujours la dame qui se dandine parfois. Ici, alors ça, vous ne l'avez pas vu. Mais voilà, ici, on avait la personne pour acheter
de l'exploitation minière pour faire de la crypto-monnaie. Voilà, ça on aurait dû le voir dans notre épisode, vous ne le verrez pas. Et là ici on a une belle petite vue sur les toits. Voilà, c'est super. Science House for Computers. Ok. Un joli panier un peu défraîchi. On peut sauter ou pas? On peut pas sauter là? Si. Voilà, c'est mieux, on va plus vite. Heureusement que j'ai pas sauté de l'autre côté des tas de sable. Et donc ici on revient dans notre petite rue de chez nous. Ah, le commerce est toujours là. Là il y a le clodo. Et donc on arrive à notre café. Bon, j'ai pas changé le nom. Et oh, surprise! Ah bah oui, forcément. Voilà, l'électricité est coupée, hein, donc il faut refaire tout le tuto. Nettoyer, machin, on repart à zéro. De vous à moi, les enfants, je vous adore. Mais, tiens, il a changé un peu de visage. Mais je vais pas tout refaire. Alors attendez, quand on parlait de... Le voleur, voilà, pour la forme. En plus, je suis bien vénère, bien énervé. Ici, il n'y a rien de spécial. Donc là, il y a un nouveau magasin qui n'existait pas. Heure de départ de la prochaine course. Donc voilà, on peut faire une course de petits chevaux et on peut miser apparemment sur le cheval que l'on veut. Voilà, fantastique. Je suis super heureux qu'il y ait ça. Et puis on va aller ici, parce que je voulais aussi finir par ça la dernière fois. On va aller au Rabbit Club. Allez, je paye 100$ et je suis maintenant admis au Rabbit Club. Ah, depuis le temps que je voulais aller au Rabbit Club. Alors, girls. Ah, voilà, c'est intéressant. C'est des vampires par contre, les filles. Ouais. Je sais pas si je vais y aller finalement. Alors apparemment oui, c'est des vampires parce que... Le... Monsieur, un petit coup de main peut-être. Non, ouais, avec son pied de biche, ouais, il m'inspire pas confiance. Les water sont propres, ouais, vous savez que je suis un inspecteur des toilettes finies. Le miroir est parfait. Oh, ça y en arrive. Alors très suggestif, hein. Voilà, voilà, des girls. La petite banane qui va bien au fond. Très jolie. Ah, elles viennent toutes à moi. Tiens, il y a des machines à sous. Allez, on va y aller, on va voir si on a de la chance. Fantastique. On essaie une deuxième. Voilà, j'ai toujours été chanceux. Donc, on a le petit bar ici. Ouais, bah au moins lui il s'éclate là, c'est parfait. Ici qu'est-ce qu'on a là? Ah, c'est les stocks? Ah non, non, c'est le... Ah, c'est l'endroit privé là. Il a pas l'air drôle lui. Vous êtes le patron? Bon, il parle pas. Oh, c'est la mafia locale. Bon, bah écoutez, ils ont appuyé sur le bouton pour jouer au blackjack. Je vais pas y jouer au blackjack parce que bah, je ne sais pas y jouer. Et puis j'ai pas de costume et apparemment il faut être en costard. Bon, je vous laisse, vous avez l'air de vous amuser comme des fous. Je préfère largement cette ambiance-ci. Donc voilà, on est là. Qu'est-ce qu'elle veut stripper? Allez, 300$. Elle va nous faire une petite danse privée, je pense. Oh, elle est bien blanche ça. Ah, on a une mademoiselle là-haut aussi. Alors attendez, j'arrive, je vous suis... Oh là, il y a le DJ. Ah, c'est un fou. C'est le maître Gims local. Alors, attendez, parce que moi j'ai payé ma danse quand même. Alors, hop, ah oui, toujours aussi suggestif. Ben oui, la petite banane qui va bien. Girls, girls, girls. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, il faut s'asseoir. Alors, hop, voilà. Oh, c'est magnifique. Bon, ben voilà. Au moins, vous serez pas venu pour rien pour voir cet épisode. Voilà, c'était la petite danse, le petit show privé. Voilà, Q, appuyé pour terminer le show privé. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué comme ça. Voilà, merci mon ange, c'était formidable, je me suis éclaté. 300$ pour ça, ça valait le coup, clairement. Voilà, donc là, il y a plein de girls partout. Donc, elles font leur danse, mais elles pour 0$. Voilà, voilà, voilà. Bon, mais au moins, on aura fini comme ça. Hein, c'était un petit peu festif pour terminer ce jeu. Festif essentiel pour la fin. Bon, ben voilà, désolé, on ne pourra pas aller plus loin. Ah, ah, mais elles viennent toutes à moi. Je suis, je suis là, mesdemoiselles. Je suis là. Regardez ça. Regardez ça.
Ah ouais, elles viennent toutes me voir. Quel succès! Quel succès, la Mifra Wolf! Ah ouais, mais elles sont toutes là! Ah ben alors! Bon, ben elles sont toutes là. Voilà, bon, ben c'est parfait. Hein, je suis vraiment honoré, mesdemoiselles, mais je sais que vous en avez plus pour mon pognon que pour moi. Je vous dis au revoir, ce fut un réel plaisir. Je prends la porte. Et je prends également la porte du jeu. Ah, Monsieur Trump, j'ai un message pour vous. Voilà. Allez, petit combat avec Trump qui va gagner. Ah, il est fort ce Trump. Ah mais en plus c'est vrai que je démarre à zéro, moi il va m'en foutre une, je sens. Patator, patator. Allez, ah, je l'aurai. Ah non, il m'a esquivé. Ah, il m'a eu. Il m'a eu. Qu'est-ce qu'il est fort ce Trump. Bon, tiens, pour me venger. Voilà, toi t'en prends une. Voilà, donc les amis, c'est ici que se termine cette série. Voilà, malheureusement, on n'aura pas pu aller plus loin. Je voulais finir l'étage, avoir les consoles vidéo, les consoles de réalité virtuelle, faire un petit salon plutôt sympa là-haut. Ben, ça n'est pas possible. Ah, je suis trop loin. Attends. Ah, voilà. Ça n'est pas possible, les amis. C'est vraiment dommage. Et là, j'en veux vraiment. Aux créateurs du jeu, aux développeurs, parce que c'est naze. Voilà, c'est vraiment naze de faire ça. Bon, sinon, bon, c'était un petit jeu sympathique, sans prétention, mais on pouvait se détendre. Ah, il veut sa revanche, lui. Bon, écoutez, je vous laisse, les amis. Je vous souhaite de bonnes journées à l'écoute de la chaîne Frawolf Gaming. Regardez, il y a plein d'autres séries très sympathiques. J'essaierai de vous faire d'autres petites démos, en tout cas. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Voilà, ciao, bisous, bye bye. Salut, salut. C'est une bagarre générale. Allez! C'est pas toi que je voulais en plus. Ah, il me fout des coups de boule dans le bas-ventre. Interdit ça! Oh. Allez, c'est la fin!